Alors, ce qui a caractérisé ce début de mandat, si on devait faire un bilan au bout d'un an, ça a été surtout la protection des Français. Nous avons connu plusieurs crises, les gilets jaunes, le Covid, aujourd'hui l'inflation due notamment à la guerre en Ukraine. Avec le bouclier inflation, nous avons protégé les Français contre l'augmentation des loyers. J'ai porté moi-même un texte à l'Assemblée nationale pour mon groupe. Ensuite, pour les produits de première nécessité, l'énergie sous toutes ses formes, que ce soit le carburant, que ce soit l'électricité ou le gaz, nous avons protégé et surtout protégé le pouvoir d'achat des Français. Dans les mois qui viennent, nous devons surtout continuer de réformer notre pays, réformer notre économie pour retrouver des marges de manœuvre pour sauvegarder notre modèle social aujourd'hui. Et nous attaquons avec France 2030 à la réindustrialisation décarbonée de notre économie. Donc nous allons y atteler dans quelques jours avec la loi Industrie verte, où je fais partie de la commission spéciale, on va porter ce projet-là pour réindustrialiser, bien évidemment, la France et notre pays. Notre pays va mieux, notre économie se porte mieux, malgré les différentes crises successives. Nous devons surtout tendre vers le plein emploi, générateur de richesses que nous devons tous partager.